Mes chers camarades, bien le bonjour. Imaginez un peu, vous êtes le plus beau des dieux nordiques, le meilleur, celui que tout le monde respecte et adule. C'est cool, non? Et si maintenant je vous disais que votre destin c'était de mourir de la manière la plus stupide de toute l'histoire du règne des dieux? Ça vous fait toujours envie? Ouais, moi non. Hein. C'est l'histoire de Baldur et on va revenir ensemble dessus. Dans la mythologie nordique, on trouve de nombreux textes qui racontent les exploits des dieux. Baldur est abordé dans plusieurs textes comme le Gylfaginning ou le Skaldskaparmal, deux récits écrits par un homme que l'on cite très souvent quand on parle de mythologie nordique, Snorri Sturluson, un écrivain et homme politique islandais du XIIIe siècle. Snorri, c'est un peu la référence à travers son fameuse Edda de Snorri. Mais ce qui est intéressant avec les mythes nordiques, c'est qu'on ne sait pas vraiment quelles étaient les véritables croyances des peuples, puisque cet ouvrage a été écrit par un chrétien plusieurs siècles après les pratiques religieuses en œuvre sur ces périodes, comme la plupart des autres textes traitant de cette mythologie en fait. D'autre part, il faut bien avoir conscience que ces récits n'étaient pas uniformes dans le monde scandinave. On n'avait pas exactement les mêmes croyances en Islande et au Danemark par exemple, hein. Et cette mythologie nordique, elle trouve d'ailleurs beaucoup d'écho dans la mythologie germanique, avec des figures qui se ressemblent parfois et se répètent. Tout ça pour vous dire que si on retient plus aujourd'hui la version de Snorri, sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui, celle de Saxo Grammaticus, un historien et écrivain danois qui vivait grosso modo à la même période que Snorri, dépeint un autre personnage, un seigneur, un guerrier ou un demi-dieu héroïque, qui périt au combat, succombant à l'épée de son rival. Et honnêtement, si j'étais Baldur, je préférerais la version de Saxo, hein, parce que mourir l'épée à la main, c'est toujours mieux que ce que je vais vous raconter. D'après Snorri, donc, Baldur est le fils du dieu Odin, peut-être le dieu le plus important des Ases, le groupe principal des dieux. Il a pour mère la déesse Frigg, déesse de l'amour, et pour épouse la déesse Nanna, qui incarne la joie et la paix. Alors attention, hein, la fonction des dieux nordiques, elle est complexe et pas toujours très définie, alors prenez avec des pincettes les infos que je vous donne sur leurs fonctions. Bref, Baldur a également un fils, Forseti, qui est le dieu régnant sur les Thing, qui sont des assemblées gouvernementales représentant les mortels. En gros, c'est un peu un dieu de la justice, quoi. Baldur, il est considéré par Snorri comme un dieu solaire, qui répand la lumière et le bien autour de lui. Son nom signifierait d'ailleurs le courageux ou le lumineux. C'est le plus beau des dieux, c'est le meilleur, tout le monde est d'accord sur ce point et ne se prive pas pour lui envoyer des fleurs. C'est un beau parleur, il est aimable, enfin, le type tu le croises dans le métro, il est insupportable quoi. Un jour, ce fameux Baldur passe une mauvaise nuit. Il fait des cauchemars qui l'angoissent étrangement car ils annoncent sa mort. Parmi les As, c'est la panique. Que pourrait-il bien arriver à Baldur? Une grande réunion est organisée et après quelques entrevues, Odin en personne décide de chevaucher son cheval à 8 pattes, Sleipnir, pour s'enfoncer dans le royaume des brumes, Niflheim, qui accueille également les morts. Son but? S'entretenir avec une prophétesse décédée afin de la ressusciter pour se renseigner. Odin, dissimulant son identité, trouve enfin cette voyante et lui demande des informations sur son fils. La nouvelle qui tombe est alors terrible, non seulement Baldur va mourir, mais en plus il va être assassiné par son propre frère, le dieu aveugle Odre. Oui, le type n'a pas d'autres caractéristiques qu'être aveugle, hein, c'est comme ça. En tout cas, Odre n'a pourtant pas de raison d'en vouloir à son frère pour l'instant, ce qui peut sembler un petit peu étrange. Quoi qu'il en soit, avant de se faire virer par la prophétesse, Odin se voit confier qu'il aura un autre fils, Vali, qui vengera Baldur en tuant Odre. Alors je sais, hein, dit comme ça, faire un gamin pour tuer un autre de tes gamins qui a tué un autre de tes gamins, c'est pas super joyeux, ça fait pas super envie, mais en l'état, le mécanisme de vengeance étant très important pour les dieux, bah, ça n'a pas l'air d'émouvoir plus que ça Odin. Bref, le dieu rentre chez lui et se confie à sa femme, Frigg. Prise de panique, elle décide alors d'employer les grands moyens, elle fait jurer tous les êtres vivants et tous les non-vivants, y compris les cailloux donc, hein, de ne pas faire de mal à son fils. Et bien évidemment, puisque tout le monde aime Baldur, tout le monde promet de ne jamais tenter de lui faire du mal. De facto, Baldur devient donc invulnérable. Enfin presque. Quand on parle de mythologie nordique, il y a toujours un élément perturbateur qui vient tout chambouler et sans qui ces histoires ne seraient pas aussi chouettes. Le dieu de la malice, Loki. Loki n'est pas un dieu fondamentalement mauvais dans le sens où il n'incarne pas le mal dans cette mythologie, mais il est fourbe et quand il regarde Baldur, il est particulièrement jaloux de lui. Maître dans l'art de la métamorphose, il se déguise alors en femme pour aller glaner quelques informations sur la prophétie auprès de Frigg. Celle-ci se confie bien volontiers et lâche innocemment entre deux phrases qu'elle n'a pas fait jurer le gui, je parle de la plante, hein, car elle est trop frêle et qu'elle ne ferait pas de mal à une mouche. Une méga boulette pour la déesse de l'amour, hein, car Loki, même avec un mouchoir Lidl, il trouve le moyen de te terrasser une armée. Alors avec une info aussi précieuse... Loki a donc une information vitale concernant la seule et unique faiblesse de Baldur, et il compte bien en profiter. Baldur, toujours prêt à rendre service et à amuser la galerie, met en scène son invulnérabilité avec les autres dieux à travers un jeu particulier. En effet, le concept consiste à lui lancer tout un tas de projectiles en se saoulant un peu la tronche au passage.
Baldur étant censé ne pas pouvoir mourir, ça fait bien rigoler cette belle bande de beaufs. Le dieu Odr, le frère de Baldur donc, n'est lui pas très chaud pour participer, peut-être parce qu'il ne voit rien en fait. Mais quoi qu'il en soit, Loki tente de le persuader de se joindre aux festivités. Il lui offre une branche de gui, probablement bien taillée comme une flèche, et après quelques paroles échangées, convient à convaincre Odr de rigoler un peu. Il lance alors le gui qui fend l'air devant tous les dieux, et soudain, il transperce le pauvre Baldur qui meurt sur le coup. Parmi les dieux, c'est la stupéfaction. J'imagine la gueule de Odr qui doit se demander pourquoi tout le monde arrête de parler après avoir enfin osé s'amuser un peu. Frigg est meurtri, tout comme Odin, le monde des dieux est en deuil. Il prépare alors la cérémonie funéraire dans laquelle on doit brûler le corps de Baldur sur son bateau. On a donc un magnifique navire, prêt à être mis à l'eau. Mais les dieux étant des branques, ils n'arrivent pas à le pousser car il est trop lourd. Eh oui ma bonne dame, il s'agit d'Ringorni, le plus grand des bateaux qui appartient à Baldur. Alors il est bien beau, hein, Thor avec ses muscles, mais ses biscottos, bah, c'est un peu du beurre en fait. Ils appellent donc une géante, Hyrokin, pour faire la besogne. Le bateau est enfin sur l'eau, on y installe le corps de Baldur, Thor consacre le navire avec son marteau, et dans un élan de chagrin, sa femme Nana décède à ce moment-là. Ah bah ça tombe bien, hein. On allait cramer le bateau, quand il y a de la place pour un, il y a de la place pour deux. Hein. On l'installe donc à bord, et on fait partir le tout en fumée. Petit aparté, on trouve dans une saga nordique, celle d'Evror et Heidrek, une énigme à laquelle on n'a toujours pas de réponse. Que dit Odin à l'oreille de Baldur avant de le placer sur son bûcher funéraire? Alors pour être honnête, moi j'en ai aucune idée, hein, mais je me suis dit que ce serait rigolo que vous puissiez imaginer ça de votre côté, alors dites-le moi en commentaire. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien pour rappel, si un guerrier meurt au combat, il part tout droit au Valhalla en attendant le Ragnarok et le combat final. Baldur, lui, n'est pas un homme et il n'est pas mort au combat. Ouais. Donc il va tout droit au royaume de la déesse Elle, ce qui fout passablement le seum à ses potes. Hermod, un autre fils d'Odin, se propose alors d'aller négocier avec la gardienne du royaume des morts, Elle en personne. Il s'empare de Sleipnir, le cheval à 8 pattes d'Odin que nous avons vu tout à l'heure, et s'aventure à la rencontre de la déesse. Après un voyage éreintant de près de 9 nuits, il arrive enfin à Elle et lui demande de libérer Baldur. Et à ma grande surprise quand j'ai lu les textes, Elle accepte, à une condition, que toute chose, vivante ou morte, pleure la mort de Baldur. Hermod revient ainsi auprès des dieux, lesquels envoient des messages à travers tous les royaumes, et ainsi tout le monde pleure toutes les larmes de son corps. Eh, ça en fait du monde, hein. Tous ? Eh ben non. Eh ouais, car quelque part, une géante du nom de Tok prétend qu'elle ne doit rien à Baldur et qu'elle n'a pas envie de s'apitoyer sur son sort. Et vous vous en doutez, cette nana pas très sympa, c'est en fait Loki qui s'est déguisé pour contrer le sauvetage de Baldur. Celui-ci reste donc au royaume des morts pour de bon, fin de l'histoire. Ou pas. Reste encore une question, pourquoi tuer Baldur? La voyante que rencontre Odin lui avoue quelque chose que je n'ai pas précisé auparavant. Une fois le Ragnarok, c'est-à-dire la fin du monde, terminé, un nouveau monde doit naître et la place de Baldur dans celui-ci est très importante, car d'après certains écrits, il dirigera les survivants aux côtés de son frère Odr, celui qui l'a tué. Il y a deux pistes intéressantes pour interpréter cette mort de Baldur. La première, qui peut faire consensus, c'est que le destin est un concept incroyablement important dans la mythologie nordique. Personne n'échappe à son destin, et quoi de mieux que de montrer que même le dieu le plus apprécié qui soit ne peut éviter sa mort quand celle-ci lui est dévoilée. C'est pour ça que tous les personnages de cette mythologie font parfois des choix qui peuvent paraître un peu étranges, hein, si on prend du recul. Ils assument leur destin et font tout pour aller dans son sens, quitte à faire des erreurs. D'ailleurs, les dieux nordiques sont très humains et ils jouissent des mêmes travers. La deuxième piste que l'on peut évoquer, et qui celle-ci ne fait pas tout à fait consensus même si elle est intéressante, c'est que l'histoire de Baldur, qui arrive assez tardivement dans les écrits, à une époque où la région est déjà christianisée, est une métaphore de la chute des rites païens et de l'avènement du christianisme. Baldur, un dieu parmi les autres, qui accepte leurs codes et leurs mœurs, se voit précipité vers un destin qu'il ne peut pas fuir. C'est la chute du paganisme, le point culminant de cette chute étant le Ragnarok. Le nouveau monde qui se révèle alors dans cette histoire pourrait tout à fait être celui du christianisme. Une autre piste qui peut nous mettre sur cette voie est que Baldur est censé être le dieu parfait, le meilleur, le courageux, le lumineux, un peu comme Jésus quoi. Mais encore une fois, c'est qu'une hypothèse, et une hypothèse qui est quand même de plus en plus répandue. C'est pourquoi l'on peut extrapoler que dans God of War, Kratos, qui se trouve au cœur des terres nordiques à combattre Baldur, veut en fait tuer Jésus. Je ne vais pas vous spoiler la fin du jeu pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais je trouve assez rigolo d'envisager God of War sous un jour nouveau, celui d'un brûlot anticlérical au possible. Même si, soyons honnêtes, ça reste de la masturbation intellectuelle. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, merci aux tipeurs qui me soutiennent chaque mois, hein, qui font vivre aussi l'émission. Je compte sur vous pour lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, dites-moi aussi vos impressions et vos attentes, pourquoi pas, pour de futurs épisodes dans les commentaires. Et bien sûr, bah, abonnez-vous, hein, cliquez sur la cloche si c'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'histoire. Salut !